Hey, salut les geeks et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Mario et les lapins crétins. Donc nous voici à l'entrée du chapitre 8. Hop, monde 1 sur 8, pilier, j'ai pas eu le temps de lire, il était trop vite. Donc qu'est-ce qu'on a par là? N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires sur cette vidéo, ça me fait plaisir. Et ça me fait avancer, ça me fait du bien, moi, ça me prouve que vous voulez. Que vous regardez, que vous êtes là, même si vous m'envoyez des coms, voilà, moi ça me fait hyper plaisir. N'hésitez pas, franchement, à parler avec moi. Ça me fait plaisir. Des petits coms, des petits pouces bleus, et c'est cool. Alors, vaincre tous les ennemis. Il y en a quatre. Voilà, bataille. Ok, direct. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va te mettre là. Mario avec un écrasement, c'est cool ça. On peut pas alors. Le mieux, ça serait. Alors Mario, tu vas me le dézinguer. Voilà, merci Mario. On a gagné de la pièce en plus, c'est cool ça. Ton pouvoir, je vais le faire après. Alors, on va mettre Luigi à la place du lapinou qu'on vient de killer. Hop. Hé hé. Petit Luigi. Le mieux, c'est lui quand même, Luigi. Ah, attends, est-ce que ton véhicule. On peut l'amener là, mais il a du trajet à faire. Bon, allez, on va lui faire faire un petit peu de trajet. Voilà. On va faire un tir. Sur lui, on va voir ce que ça va donner. Eh, touché, 55 en plus. C'est cool ça. Et mort. Ce serait bien que l'autre y descende parce que. Pour avoir le petit robot. Bon, allez, hop, la vision. Je vais la mettre sur Luigi aussi, comme ça si on peut killer tout ça très rapidement, je suis preneur. Autre ennemi. 35. Pouah, je lui ai fait un combo, ça l'a anéanti. Ah oui, ça n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce que il s'est immobilisé, parce que le lapin qui était visé, bah, il est mort. Simplement. Donc ça l'a pas. Ça n'a pas fait comme je le désirais. Ah, il faut pas le voir. Puis si je me rapproche, c'est pas bon. Bon, allez, on va tirer. Et on va le rapprocher. Mon lapin Luigi. Baston. Bien, un petit 33 là. Bon, ça tire un peu à travers les murs, hein. On a bien remarqué là. Il se tire. Bim. On va essayer de le finir avec Lapin Luigi. Allez, mon lapinou. Petit tacle glissé. Et un coup de boulette. Un coup de yo-yo. Même pas, ça l'a même pas tué. Oh, j'ai les boules. Et je peux pas tirer avec. Ah non. Ah la coucouille. C'est la coucouille. Ah, normalement, je peux. Alors j'y vais vraiment à découvert parce que j'aimerais bien le killer. Je suis en train de juste killer de la brique. Puis avec Mario je peux même pas. Ah si. Ici je peux le voir à 50%. Ce serait bien de le killer pour un. Ah voilà, c'est pour un point de vie quand même. C'était chaud là. Chaud pour rien. Alors, 3 tours sur 4, nickel. Et équipe parfait état de santé, donc parfait.
Yes, merci. Allez. Tuyau. Donc un petit casse-tête là. On va commencer simple, hein. On va commencer par le vert. Hein. On va l'aligner, hein, correctement. Après c'est le jaune. Voilà. Après c'est le rouge. Voilà. Voilà, après le bleu. Simple. Très simple, très simple. Encore les lapins qui s'éclatent là-haut. Donc je vois que là, ça se corse un peu. Déjà, on a deux gros lourds. On voit des petites oreilles dans le fond aussi. On doit en avoir. De... Ouais, voilà, on a deux sauteurs dans le fond. Bon, bah allez go, hein. De toute façon, faut combattre. Hein. Ah, on peut peut-être améliorer un peu le au QG de combat là. Est-ce qu'on a des armes? Non, en armes, on n'avait rien de nouveau, je crois. Ouais, mais c'est toujours notre. Ouais, voilà. Notre pixel, notre arme pixel qui est forte. L'arbre de compétences. On n'a pas grand-chose. Hein. C'est triste quand même. Hein. C'est quoi ça? Ah, vampirisation. Ah, le canon. Petit bazooka. Eh, venez, on prend le bazooka. Allez. Bazooka, c'est pas mal. Le robot, il peut faire un peu plus de dégâts. Ah, il peut augmenter la mobilité. Ah ouais, mais c'est 30, j'ai pas 30. Ça, je peux. Et ça permet à l'objet d'effectuer un saut d'équipe avec deux héros successivement. Oh, c'est pas mal, allez, on va s'acheter ça. Bah, il était content, mon loulou. Allez, puis Mario, j'ai rien vu de spécialement bien. Allez, c'est parti pour un combat. Vaincre tous les ennemis. Donc, un gros malsain, deux gros malsains et deux rebondisseurs. Et donc, ouais, c'est marqué en haut. Vous voyez en haut les petits. Vaincre tous les ennemis. Vous avez 4 petits points. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 ennemis à killer. J'ai peut-être. Voilà, envoyer le robot. Ah, le robot, ouais, il a pas une immense portée. Hein. J'envoie ça le deuxième, on va aller voir. On va voir si le premier gros il va se déplacer, il va se prendre ça dans la tronche, ça va me plaire ça. Et le bazooka ça fait quoi? Ah là ça peut être. Ça touche les deux autres derrière. Allez, coup de bazooka. Ça a pété. Bim, ça fait un peu de dégâts. Il est pas content. Ouf, ça c'est du rebond hors limite. Mais il est pas mort, mais j'ai pas vu où il était réapparu. Il est réapparu juste là. Bon, bah, ok. Il y a encore 64 points de vie. C'est pas cool ça. Bah, je vais laisser là, je vais lui mettre son bouclier par contre. Ouais, je vais déclencher aussi celui de Mario. Pourquoi? Parce que je vais essayer de tirer avec Mario. Et puis on va le faire bouger un peu, c'est pour ça. Ouais, il est pas content. Ah, il est pas parti du bon côté, dommage. Et je l'immobilise avec du miel. Bah, ça c'est cool ça quand même. Hop, on met fin. Je suis en rapide. Toucher. Ah, il explose pas encore. Ah, ça n'a pas joué à grand chose. J'en vois lapin Luigi au front. Pas content. Mais on va en profiter. Hop. Je vais pouvoir sauter celui. Non? Oui. Puis on va se mettre là. On est pas trop mal. Bim. Bim. Et voilà. Pas mal cet enchaînement là. Lapin Luigi. Hop. Ça sert vraiment de contourner jusque l'autre côté.
Non, on va le faire tirer sur lui, ça va lui diminuer ses points de vie quand même. Voilà. Alors, allez, tire-moi là-dessus. Yes, en plus en un coup. Là, avec lui, on peut pas tirer. Et c'est le seul parce que Mario, j'avais pas vu, je me rappelais plus que j'avais tiré. Oh, bêtise. Mais pas autant. Allez, tiens, ça ira peut-être mieux comme ça. Hop. Allez, tire-moi là-dessus. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire enchaîner comme ça? Non, on peut pas enchaîner deux attaques. Deux attaques en tacle glissé et en sauter avec Mario, on peut pas enchaîner sur le même... comment dire? Sur le même ennemi. Normal, ce serait un peu facile quand même, mais bon. Pour pimenter le jeu. Donc voilà, qu'il est 3 sur 7. Et on a fait ça rapide, hein. Et équipe en parfait état, donc c'est du parfait. Allez, on continue. Ah, encore une énigme. Alors, on va faire tous les tuyaux dans l'ordre. Allez, on va faire celui de gauche. Non. Oui. Ah bah voilà, c'est des pièces. Celui-là est activé direct. On va se récupérer ça. Voilà. Puis celui de droite. Voilà. Ouais, dis donc, c'est pas un travail mâché, ça. Pré-mâché. Voilà. Ici. Alors après, il faut du rouge. Voilà. Il faut du jaune. Voilà. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. Un coffre. Avec des orbes. 5. Tu preneur toujours. Voilà. Puis maintenant le dernier qui va nous emmener à la suite de notre aventure. Non, oui, non, non, et oui. Waouh. C'est un petit combat. Allez, zou. Vaincre 4 ennemis. Ah, il y a un toutou. Alors, mais par contre, c'est des ennemis. Ouais. Des ennemis pas cool. C'est pas les plus agréables. Allez. Mon chien a déjà repéré sa proie, ça c'est cool. Alors, on va se mettre assez loin. Pour essayer de la tirer aux quatre coins de la map. Bim. Mario, on va te mettre là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va enclencher la vision de Mario. Et on va essayer de la pâter avec Luigi. Non. Combien il reste de vie? 100. Bon, on peut tenter ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pour envoyer la tuture. La voiture à Luigi. La voiture bombe. Pff, ouais, je peux mettre la vision de toute façon. Hein. La vision, c'est la vision. Allez. Croc. Va chercher. 75 points de dégâts, c'est énorme. C'est trop bien. Ouf. Il va falloir se tirer, je pense. Normal, ils sont pas super heureux. Donc oui, comme je disais, va falloir se tirer. Mais je ne peux pas me tirer.
Parce que je me suis mis aux quatre coins de la map. Alors, est-ce que c'est une erreur de stratégie? Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est quand même la crotte. Ah mais j'ai le toutou là qui va me grignoter là. Il est sien ce sien. Il est sien ce sien. Alors. Non mais là ils vont apparaître. Oh le bazar. Je sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que je reste là en côté offensif? Ou pas. Ça après il me reste quoi? Ouais, il me reste pas énormément de choix. Je vais déjà tirer avec ça, on va voir. On va mettre une petite roquette dans la face, ça va leur faire du bien ça. Voilà, il y en a un qui s'est barré. Donc je peux te faire un petit tacle glissé. Toujours ça de près. Bah je vais le faire partir hein, de toute façon. Hein. Hop. Et Luigi peut encore tirer. Alors normalement, je risque de la pâter. Ah non, ça va, miel. Et Luigi peut rien faire. Par contre, il y a les deux autres qui arrivent. Non, c'est bon. Et lui. Non, c'est bon aussi. Alors, est-ce que Luigi... Ouais, assez de distance pour y aller. Ok, super. Allez, tire-toi, Luigi. Ah, par contre, il y a le clébard. Voilà. Apparemment, je me suis fait griller par le Klebs. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas m'arriver dessus. J'espère qu'il n'y a pas m'arriver dessus. Hop, hop. Bon, ça, on va soutenir mon frérot. Hein. Allez, viens mon gros. Attends, est-ce qu'on vient à 68? Donc déjà, avec ça, je peux te faire mal. Je peux monter. Et il m'en reste plus qu'un. Normalement, je peux le tuer. J'aurais peut-être dû me mettre un peu de l'eau, par contre. J'ai tapé dans Mario. J'ai créé le bazar, mais j'ai quand même gagné. 3 sur 5 en tour et équipe parfaite, donc parfait. Nickel. Par contre, comme vous avez vu, j'ai tiré dans le gros qui a poussé, roulé et ça crée le bazar possible. Pilier précaire. Parfait, parfait, parfait. Ouais, costaud. Oui, je vous disais, j'ai tiré dans le gros qui a roulé, qui a tapé dans Mario et Luigi, qui a envoyé Luigi en dehors et qui a reculé Mario jusqu'au chien. Heureusement que c'était le dernier tour, hein, parce que sinon c'était la crotte. Allez, on continue. Monte dans le tuyau, monte dans le tuyau, monte dans le tuyau, tuyau. Hop, et on débouche sur le boss, donc c'est ce qui clôture notre vidéo, donc on finit sur là, voilà, on s'arrête juste avant le boss et je vous propose le boss dans une prochaine vidéo parce que je pense que ça va être long, il va falloir être tactique, très stratégique et éviter de mourir, et en un minimum de tours parce que pour essayer de faire un très bon score quoi. Alors, mettez-moi des pouces bleus, c'est un ordre. Je vous donne un ordre, mettez-moi des pouces bleus et des commentaires pour me faire plaisir, pour me raconter ce que vous en pensez, pour me raconter où vous en êtes, pour me raconter ce que vous voulez. Et voilà, mettez les deux, faites les deux, c'est encore mieux, et ben c'est gentil quand vous le faites. Je vous dis merci parce qu'il y en a qui le font, il y en a qui mettent des pouces bleus, qui m'envoient des commentaires. Je vous remercie beaucoup, ça me fait hyper plaisir. Alors n'hésitez pas,
Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!